Alors Julien, quelle était ta formation avant la licence professionnelle sur DES? Alors je viens d'un BTS audiovisuel option métier du son au lycée Pierre Corneille à Rouen. Comment as-tu connu la formation sur DES et pourquoi as-tu choisi cette formation? Alors je recherchais une formation qui permettait d'approfondir mes connaissances en réseau dans le spectacle vivant, et donc j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé la licence professionnelle CERDES, et donc je me suis renseigné sur le site pour avoir plus d'informations sur la formation, et après j'ai postulé. Donc en fait tu l'as découvert via le site de l'UT de Nantes directement? Oui, c'est ça. D'accord. Tu es en alternance dans quelle entreprise? Oui, alors je suis en alternance au théâtre à l'Ouest à Rouen jusqu'à la fin de ma formation. Bien. Qu'est-ce que tu peux faire après? Intégrer un théâtre ou d'autres structures? Alors dans un premier temps je souhaiterais être technicien son, et donc pas forcément dans une structure mais plutôt faire plusieurs travaux sur des contrats assez courts dans un premier temps, et donc ce chemin nécessite d'avoir quand même des connaissances assez solides en réseau, parce que maintenant c'est devenu très important. Très bien, merci beaucoup. Merci.